Hey les gamers, c'est Rosé, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Origin, le plus gros à savoir avant de commencer la map. Donc là on est le 27 août, donc le pack de cartes sortira exactement dans quelques heures, donc dans 3-4 heures à mon avis. Donc là il est 9h moins le quart. Alors ce que je voulais vous annoncer dans cette vidéo, c'est tout d'abord déjà les 10 nouveaux succès. Donc j'ai fait déjà une vidéo dessus, donc je vais vraiment aller très vite. Donc dans Origin libérer Samantha pour 75G, dans Origin partager une arme que vous pourrez déterrer, donc que vous avez déterré pardon, à 5G, dans Origin activer tous les générateurs sans laisser un seul s'arrêter pour 15G, dans Origin se libérer et libérer un autre soldat des griffes du soldat Panzer en une partie pour 15G, dans Origin fabriquer tous les bâtons élémentaires en une partie pour 30G, dans Origin conduire le char à travers la carte sans en descendre pour 10G. Dans Origin, réanimer un autre joueur de 4 manières différentes pour 20G. Dans Origin, réanimer 3 joueurs avec du sang de zombie et activer un générateur en une partie pour 15G. Dans Origin, terminer les 4 défis en une partie pour 25G. Et dans Origin, utiliser tous les bâtons ultimes en une partie pour 40G. Donc les bâtons, qu'est-ce que c'est? Donc les bâtons, c'est les bâtons des quatre éléments. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est les quatre éléments qui existent vraiment. Donc la terre, le feu, l'eau et l'air. Donc la terre, là on peut la distinguer avec le cristal, avec un peu couleur terre. Le feu, couleur du feu, orange, rouge. L'eau avec le cristal bleu. Donc là on voit bien que c'est de l'eau. Et l'air, on voit, il y a des petites ailes sur le côté. Donc ces bâtons, on l'a vu dans le trailer qu'on pourrait, là ils le disent aussi dans les succès, qu'on peut les fabriquer et qu'on pourrait s'en servir pour tuer les zombies. Je sais pas si ça a un rapport avec le succès ranimer 4 personnes, enfin une personne de 4 manières différentes, je pense pas. Déjà, il y a une nouveauté, c'est qu'on pourrait ranimer avec du sang de zombie, on verra bien. Les nouvelles armes. Donc les nouvelles armes. Il y a le Mauser, donc que j'avais parlé dans ma précédente vidéo, un petit pistolet qu'on pourrait avoir sur les murs. La MG08 qui est un fusil mitrailleur nouveau dans toute la licence des Call of Duty. Donc moi personnellement je l'ai jamais vu. Après si je me trompe, mettez-le dans les commentaires. Et là les armes classiques qui sont depuis World at War dans les Call of Duty de Treyarch et d'Activision. La MP40 et la STG 44. Une nouveauté aussi dans. Enfin, ça fait partie de la map, le robot. Donc, le robot géant. Et le petit robot qui est une sorte de boss. Donc, à mon avis, qu'on aura toutes les 5 manches. J'espère qu'il nous lâchera un petit atout ou un petit bonus quand il mourra. Car elle a l'air vraiment chaud à tuer quand même, d'après le trailer, pardon. Et sur ce, je vais vous laisser. Et on se retrouve tout à l'heure pour les vidéos découvertes et les petits tutos sur Origin. Allez, ciao tout le monde!